Salut à tous. J'avais oublié de lancer le... enfin, de mettre que vous entendiez la musique. Oui, avec moi qui entendais. Allez, allez. Je suis prêt dans 2 secondes. On va aller ici. Hop. Je me surfoxe encore ce soir, je pense. On avait laissé à 3 Dan la dernière fois. Qu'est-ce que c'est l'état? On a à peu près kiff-kiff entre 3 et 4, j'ai l'impression. Si on en perd 5, on descend. Si on en gagne 7, on monte. Voilà, c'est des mi-mille. Ce serait cool d'arriver à 4 Dan. Peut-être pas sur stream. Je pense pas qu'on fasse 7 d'affilée comme ça. Mais pourquoi pas ici et la semaine pro. Dans les 3-4 prochains streams, ça pourrait être sympa. Tranquillement, tranquillement. Bon, je vais lancer ça tout de suite. Alors, quel temps on met? Ouais, les 5 minutes 30 secondes, je crois que c'était bien. Donc, je vais lancer ça. On va voir. Hop. Si ça trouve direct, en général, c'est rapide. Hop. Et c'est bon. Super. On va mettre ça. On va jouer avant qu'il ne quitte. Et le dernier coup de jouer. Voilà. Quoique. Hop, ça c'est bien aussi. On va jouer comme ça. Ok, Takamoku. La musique est peut-être un tout petit peu forte par rapport à ma voix. Tac. Takamoku, on approche en Sensan, je crois. Pour l'instant, on va jouer de ce côté, c'est le bord le plus large. Donc, je sais pas, soit une approche, soit un coin en vrai. On va prendre le coin tranquillement. Enfin, on va faire une fermeture en tout cas. Et lui également. Ok. Ça donne envie de prendre le deuxième. Ouais, ça serait ça, avec ces deux pierres, ce serait une belle extension de venir jusqu'ici. Moi, c'est un peu moins loin. Donc, on va quand même venir là, je pense. Ça peut pas être mauvais. S'il ferme là, bon, moi, ça va être très tranquille comme début. Non, pour le coup, il a envie de venir. Ok. Ici, soit je pince. Soit je viens en dessus. Parce que de toute façon, on est en quatrième ligne. Donc, c'est l'influence qui nous intéresse. Soit on tenuki. Et on vient prendre le coin. Parce qu'ici, on est prêt à le perdre de toute manière. Et s'il glisse au-dessous, c'est pas grave, encore une fois. Parce que c'est l'influence qu'on veut. Donc ça peut être intéressant de venir prendre le coin. Et de jouer déjà avec deux coins, et le troisième est encore discutable. Comme on a deux pierres, on est en avance, ça fait un peu combat even après. Bon allez. En plus il sera tiraillé entre est-ce que je fais mon extension ici ou est-ce que je prends le coin. Sauf si bon, il me laisse le centre là par contre. C'est ouais. Là, ça fait peut-être un peu loin par rapport à sa force. Du coup, s'il me pousse de ce côté, comme il est fort des deux côtés, c'est chaud. Donc, peut-être aller au milieu. Et s'il me pousse vers son mur, je fais un petit kéma. Ici, ça serait une erreur pour lui, je pense, de glisser au-dessous. Je l'écraserai alors. Je viendrai là. Et il n'y a pas de point ici, en fait. Donc, qu'est-ce que je fais? Ce point, il a l'air double synthé presque. Enfin non, il est pas synthé pour moi. Mais pour lui, ça écrase complètement la force. Donc c'est un peu la barrière des moyaux. Je sais pas si c'est maintenant que je dois y jouer. Ou... Ah, c'est peut-être mieux de venir là. Il a quand même un sacré mur. Il vaut mieux empêcher qu'il se développe trop. Il me pousse de ce côté. Ok. J'aurais pensé de l'autre. En général, on pousse vers la force. Du coup, on fait l'extension. On est content de ne pas être trop trop proche. Ok. Là, ça nous garantit la vie ici, c'est cool. Et il vient en dessous. Ok. On était prêt à perdre le coin. Ce qui nous intéresse, c'est le moyeu ici.
Donc, peut-être toucher. C'est un peu plus santé que faire le Kema, où il viendrait peut-être directement en P10. Si je touche, il fera l'année, je monte, il protège sa coupe. Et là, je peux tenter quelque chose en P10, par exemple. J'avais aussi l'option d'approcher par là. Oh, il fait ça, d'accord. Donc, j'aurais pas mon extension en P10, par contre, je serais bien plus solide ici. D'accord. Est-ce que c'est bon de faire ça? Ça peut pas être mauvais. J'ai quand même une ligne très. C'est juste solide, quoi. C'est. Ça fait pas de points, hein, mais. Oh la jalousie. Ça fait pas de points, mais. Ouais, il est vachement jaloux, par contre. Il est pas encore vivant, hein, localement. Je vais pousser jusque là, hein, je suis plus fort dans le coin. Il aurait dû attendre parce que la position où je m'installe en P10, il approche, il peut rentrer dedans, hein, c'est pas trop compliqué non plus. Est-ce que je vais dedans? Non. De monter. D'accord. Là, il laisse une faiblesse en P13. Je pourrais me connecter. Ce qui m'intéresse ici, c'est le tourner ici, qui menace pas mal le double anneau là. Ou alors le Kema. Mais il faut peut-être que je m'occupe de cette barre quand même. On va tourner. Salut Kinugo, ça va? Ici on vient là. Non. On va d'abord aller là, tac tac tac. Si je fais atterri ici, de coup il répond. Je viens là, tac, double année. Il protège, et je protège, et en fait je suis très solide quoi. Ou alors je fais d'abord ça, et ça menacera. Tac, s'il prend le Punuki, je viens là, Atari, et je fais là. S'il répond là, ouais non, j'aurais peut-être dû faire ça d'abord. Oh, je peux toujours. Mais j'aurais dû faire ça en premier peut-être. J'ai le chichot par contre. Après, il peut faire une attaque ici. Oui, ça va, on voit pas ta tête aujourd'hui. Oui, je finis de bouffer un petit truc et je mets ma tête après. J'aime pas trop vous ranger devant moi. Avec la caméra. Du coup, c'est logique, donc je capture. Hein, je pense qu'il faut capturer direct. Comme ça, j'ai plus besoin de regarder ça de la partie. Et il vient là, ok. Est-ce que je protège comme ça? Est-ce qu'on protège normal? Peut-être normal. Ok, et là, je peux venir là. Ça menace à la fois de glisser un peu par là, par exemple, ou de sauter ici. On va faire ça. Essayer de trouver la ville le plus rapidement possible. Si je fais ça, je suis en. Tac, je viens là. Je bouge. Il essaie de connecter, je viens là. Ouais, je suis en si je joue là. On a ici et ici. Ouais, bon, on va vivre. Salut Goshi, ça va?
Ouais, toi, t'aimes bien Fox, ouais. Oh, il est jaloux, hein. Je fais un mur, il vient derrière. Je fais un mur, il vient derrière. Faut être patient, hein. Ça va finir par payer. Parce que là, il a un truc pas vivant, s'il y a des coupes. Il n'y a pas beaucoup de points, il a des points ici pour l'instant. On va venir là, Boshi, tout simplement. Ouais, nez par-dessus. Hein. Il fait un nez ici. Non, il coupe, ok. Kenobi. Certainement avec cette pierre. Parce qu'il faut mieux renforcer ce côté. Il n'est pas encore vivant là. Il est pas encore vivant là. Ok, il choisit de fight. Est-ce qu'il a moyen d'enfermer ses chevaux? Je pensais pas qu'il choisirait de fight ici. Oh là, le son est pas très fort pour le follow. Merci pour le follow, Astomash. Bienvenue à toi. Bon, je pense que la forme, c'est pas mal. Rappelons que ici, on peut se connecter en P13. Du coup, s'il fait Atari, il y aura toujours la connexion ici ou ici, pour des petits trucs. S'il connecte direct, je peux passer au-dessous là en R13. D'ailleurs, je me demande si c'est pas intéressant de le faire maintenant. Ça ferait possiblement tout de bord. Finalement, celui d'ici que j'ai pas peur de. Quand il vient en Q12, je recule et quand il vient là, c'est ça va quoi. On peut aussi négocier sur le fait qu'il est en jouant R18. Il est pas encore vivant. Il est pas encore vivant ici. Forme de la fleur, sinon rien. Où est-ce que j'aurais pu faire fleur de la fleur ici? Ah, et là. Oh, c'est pas extensible. Ouais. Et là, maintenant, je peux venir là. Tac, tac, tac. J'ai l'impression que maintenant ça passe. Parce que maintenant, quand il essaie de connecter, je pourrais connecter ici. Quand il pousse là, tac, il pousse, tac, il pousse, tac. Ouais, c'est un peu chiant. Autant. Autant connecter, c'est pas beau, mais. Ok. On continue. Continue. Coupe. Ouais. Pas trop ce qu'il fait là. Il faut que je fasse attention à ça, parce que si je pousse plusieurs fois, après il pourra pousser là et prendre ses pierres. Mais c'est dit, j'aurais pris ça. Ça serait un sacré échange. Peut-être que je dois sortir ici maintenant. Il n'y a pas le Tesuji parce que j'ai encore une liberté là. Donc c'est pas si mal. On va faire ça, c'est santé. Ça enlève un peu les petits Tesuji qu'il pourrait avoir ici. Si je connecte, pousse, tac, tac. Ouais, c'est compliqué pour lui. Il y a trop de liberté ici. Mais peut-être que je vais quand même couper là. Parce que maintenant, il ne peut plus vivre là. Donc. Non, faut peut-être que je vais retirer des libertés. Parce que je suis pas encore. Ah si, je suis vivant ici, je suis bête. Je suis bête, je suis bête. Donc on saute.
Est-ce que je risque quelque chose en faisant ça? C'est la jolie forme, mais... Bah, si j'ai quand même pas mal de liberté, ça devrait aller. Bon, il a un joli nord, mais j'ai tout ça. Non, il n'y a rien, il faudrait que je protège ma pierre d'abord. Ok. Et on peut essayer de séparer ici. Ces pierres-là sont pas encore vivantes. On connecte. Et ça fait un peu le choix entre les deux, quoi. Ici, je risque quoi? Tac, tac, tac. Ouais, on va faire ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est gourmand de venir là? Après le Toby ici. Ou alors ici, tac. Ici, c'est pas mal. Ça menace de faire l'Atari là, tac, et tout capturer. Donc s'il répond, après je peux sauter. S'il vient au milieu, Atari, il fait ça, tac, tac. Non, ça passe pas. Faut d'abord que je fasse ça. Et maintenant. Maintenant, ça passe plus. Mais ça serait pas passé direct, il y aurait eu un petit pâté. S'il fait ça. On recule comme ça. C'est pas beau, mais ça passe. Peut-être que j'ai le temps de le faire une fois. Non, il y a beaucoup de blanc ici. On va aller là. L'atterri comme ça. Sinon, je manquais d'une liberté, je crois. Et ici, on peut couper maintenant. Voir. Est-ce qu'on peut... Si, on peut être gourmand. Ok. Bah nous, on continue. Nobby. Et il va falloir faire cette séquence à un moment. Jouer d'abord peut-être R8 ou alors l'Atari direct. Tac, tac, tac. Il connecte. Je vais là, il a que deux libertés. Il pousse, je pousse. Tac. Il a trois libertés, c'est chaud. Donc il faut que j'ai trois libertés ici. Donc Nobby, pousse, pousse. Et il connecte là. Donc on tourne. Il n'est pas encore vivant ici non plus. Hop. Et il y a plusieurs faiblesses quand on en parlait à la fin du Fuseki. Il y avait des problèmes ici. On vient là, ça crée soit la connexion ici, soit les coupes là. Tac, Atari, je viens là. Ah ouais, ça coupe. Mais par contre, ça connecte. Plus, il y a ça qui est très dangereux pour lui, le F11. Donc il veut vue sur place maintenant. Bon, ça il faut répondre, j'imagine. Heureusement j'ai la liberté là. Et il descend comme ça. Fait beaucoup de formes en 5. Donc je crois que je vais pas m'embêter, je vais retirer la G en capturant cette pierre. Après, j'ai l'impression que ça passe pas, ça vit pas après. Et ici.
Ah, je suis pas sûr que blanc pouvait couper à un moment non plus. Attends, je vais mettre juste dernier coup parce que sinon je vais me perdre au bout d'un moment. Connect, gentiment. Ok, c'est pas très subtil. Atari ici, ouais, on veut pas perdre nos yeux. Et ici, si on a bien calculé, on a eu un œil là. Ok. Après, il y a la coupe ici aussi. Des coups par là qui peuvent être dangereux rapidement parce que ça réveille des petites faiblesses par là, avec la coupe là. Même de toute façon, la capture de ce truc. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que je loupe? Le nombre de libertés? 1, 2, 3, 4. Ouais, mais il y a ça en fait. Connect. Atari. Atari. On va menacer un peu cette coupe en allant ici par exemple, et ça menace ça aussi. Oui. Tac, Atari, tac. Ah, ça marche bien son truc. Du coup, on vient là. Atari ici, ok. Niveau liberté, il y en a 3, 4, 5, 6. Moi, quand il me fait ça, tac, on a plus de 6. C'est bien, on a la collection ici aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Ou comme ça marche pas? Non, il doit avoir tac, tac, blanc, noir et blanc connecté au-dessous. Ok. D'ailleurs, il faut que je fasse attention à ne pas me retirer trop de liberté. Atari. Atari. Ça marche plutôt bien finalement. Non, on risque rien. Ah ok, pas mal. Et du coup, on a ça. Et là on connecte. Tac tac tac. On va descendre comme ça. Ça menace des petits coups comme M19, tout ça. Ouais, normal. Alors, tac, tac. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 libertés. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok.
Ok. Est-ce qu'il y a rien d'autre à regarder? Bon, on va faire les coups forçants. On va pas faire de bêtises. La caméra. Hop, salut. Salut, salut. Ben oui, toujours. J'aurais peut-être le timing de connecter ici. Tac. Il joue là, je joue là. Pousse là, je vais là. Non, j'avais pas le timing. Sinon, il sauvait ses pierres. Tant pis pour ses pierres. Bon, normalement ça commence sur une petite victoire, c'est chouette. Ouais, il a un gros burn-or, mais c'est tout. Ok, donc il se tente la séquence. Si j'ai bien lu, ça fait un... il y a deux yeux ici. Pas aller là. Atari. Pour bon, l'Atari, ça sert pas à grand chose en fait. J'aurais pu. J'avais plus gros. J'avais vraiment plus gros. Rien que même la coupe ici, je me demande si ça réveille pas plein de choses. Hop. Enfin, j'ai des coups, hein. Par ici. J'entraînerai peut-être du M3. Okay. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je mets Atari. Il connecte. Je mets double Atari ici. Non, ça passe pas pour lui. Est-ce que j'ai le droit de faire le double atari? Soit je connecte là tranquillement, il met en atari, je viens là et j'ai les deux yeux. Si je mets le double atari, il connecte ici, je capture là. Et si m'atari est là, tac, mais j'ai une liberté de plus ici, donc ça va. Et ça devient compliqué là. Il y a plein de trucs. On coupe du côté qu'on veut pas. Sauf que là, il y a trois yeux maintenant, donc. J'ai le droit de faire ça, non? Si je coupe là. Qui me fait atterrir dans ce sens, je viens là. Atterrir dans ce sens. Non, je crois pas que j'ai beaucoup de choses. Ah, j'ai peut-être été un peu loin. Il y a quelque chose dans sa forme par contre. Entre la coupe là, s'il descend, et ça, puis ça.
Ça fait que retarder. Tac. S'il coupe, mets Atari. Il descend, je mets Atari. Il capture et je coupe. Hop, hop. Ouais, le bord aurait été réduit quand même. On vient là. On vient ici. On vient là. Il y a peut-être un truc ici. On essaie de gagner des libertés. Alors, les formes seront questionnables, donc il y a forcément quelque chose. Rien que, soit les deux coupes, soit les coups de forme L2 et K2. J'ai l'impression qu'ici c'est compliqué. Ouais. On prend ces deux pierres, on est très content en vrai. Attends, ça marche pas en fait. La coupe. Il fait Atari ici, il prend. Donc je dois faire ça. Tout simplement. Il peut pas faire le M1. J'essaie de regarder des trucs un peu trop gourmands là. C'est déjà bien, les réductions que j'ai faites sont déjà très bien. Prendre ça, il y a quelque chose. Atari. Atari ici. Ah non, il y a rien. Pardon, autant pour moi. Oh, il y a un coup. Non, il n'y a pas de coup. Tant pis. Tant pis, tant pis. J'ai cru qu'il y avait quelque chose. Ah, il reste ce coup du coup, qui est assez gros, le A9. Ça fait quand même 2, 4, 6 points. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Il me reste combien de période? Ça va, ça va, ça va. Ici, il n'y a rien. Non. Il a sauvé cette pierre maintenant qui est peut-être possible. Tac. Il pousse. Tac. Et j'ai 3 libertés. Donc c'est possible de sauver cette pierre. Mais du coup, c'est plus gros de prendre ces 3-là. J'ai le pouce ici. S'il répond pas et que je capture. Bon, non, il n'y a pas beaucoup de doutes sur la vie, ça. Bon, c'est gros. C'est quand même gros. Mais je suis... Quoi? J'allais dire c'est risqué le coup, mais en soi, comme il est en train de perdre, c'est pas vraiment risqué, c'est... Si c'est pour revenir. Et même avec le coup, je vois pas grand chose. S'il vient là, on vient ici. Et quand il vient faire le coup, en fait, quand on connecte, on reprendra, mais si on connectait, il n'y a pas Atari. Changer de musique, c'est un peu stressant là. Ouais, j'avais préparé ça tout à l'heure. Alors, où est-ce qu'il a joué? Ici, tac.
Et il me reste 2 libertés. Donc. Un tout petit peu fort. Comme ça va. Je sais pas si ça va le niveau de la musique par rapport à la voix. Salut Supernova, ça va? Enfin, salut Mathieu. Ça bonne pas? Non, non, ouais, ça bonne pas. Je sais jamais si la musique est au bon niveau ou pas. C'est bon, ok, cool. Ouais, là c'était compliqué. Il a ça. Ça et ça, ouais, bon, c'est dur. Ouais, je sais pas s'il y a grand chose à voir. Bon, sûrement, hein, mais ah, s'il faut vraiment que je crée une scène pour ça, je le dis à chaque fois, mais à chaque fois, j'oublie. Tac, alors. Ici, bon, il doit aller là et je sais pas, il a plusieurs choix, j'imagine, mais sûrement avec la pierre blanche. Je sais pas ce qu'il fait trop avec cette pierre en fait. Bah, un truc dans le coin, j'imagine, mais je sais pas si c'est l'idéal. Je sais pas. En tout cas, c'était pas ça la réponse. Ici, du coup, je viens là. Je pensais qu'il pousserait de l'autre côté et que je ferais un petit kéma comme ça. Pour pas m'approcher trop de sa force. Mais il m'a poussé de l'autre côté. Du coup, je suis assez content. Je suis pas non plus trop proche de son Kozumi. De son Shimari. Ici, il enlève le potentiel de réduction du coin ou des trucs du genre. Donc moi je suis content de descendre. Je pense pas que ce soit mauvais de descendre au B17. Et du coup, il vient là. Mais il n'y a pas grand chose à créer sur le bord. Ou en tout cas, ce serait Gauté derrière. Et justement, c'est dommage là d'être descendu ici, parce que imaginons quand il vient là et que je réponds à. Imaginons, hein, je fais ça, c'est ça, c'est Sente, non, c'est pas ça? Je sais plus. Ah non, c'est Sente s'il n'y a pas le G16, G18. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué d'avoir ce Tsumego. Du coup, il vient là. Je laisse le bord parce que c'est l'influence qui m'intéresse. Il vient là, il me donne une ligne et il est jaloux. Donc on pousse. Et ici, je sais pas, ouais, je sais pas si j'avais mieux à faire que ça. Est-ce que je dois jouer en haut? Non, c'est bizarre. Oui, c'est l'intérêt de pousser 3 fois, oui. C'est oui. Toi ici, tu joues quoi, Matt? Parce que moi j'ai joué celui-là. Je sais pas, j'ai l'impression qu'avec la force que j'ai, il y a. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il s'en sort bien après, il s'en sort bien. Il a pas de vie et. Là j'ai poussé ici pour avoir le double année. La pince c'est bien, ok. Ok. Ici je pousse là parce que ça menace quand même vachement le double année. Et là ouais je voulais jouer ça direct plutôt. Faire le double année. Le mur est pas faible grâce à L3. L17 du coup tu veux dire ouais. Ouais c'est pas les coordonnées ça change par rapport à KGS ouais. C'est chiant. Tac. Ouais, je l'ai fait dans un ordre très questionnable ici. Ok. Tac. J'ai le chichot. Il vient là, je prends le chichot direct pour pas avoir d'emmerde. Je me dis qu'ici ça va. Mais il m'attaque du coup, c'est normal. Peut-être un peu lent ce coup. Est-ce que je dois sortir? En même temps, sortir. Si je continue à sortir, il fait son bord, il est content, donc c'est peut-être bizarre. Préférez vivre direct. Faut Tenuki ici. En 4-13. 4-13.
Ici, là, maintenant, comme ça. Ok, mais à la place de la prise de Ponoki, tu voulais dire, ou... Parce que là, Tenuki, le groupe à gauche, c'est chaud quand même, ça vit, ça. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un œil pour l'instant. Ok. Et là, il fait quoi? Il fait ça, et je fais ça, quoi. Et si je construis sur la sixième, je suis content, oui. Et s'il attaque du coup à gauche, si jamais il attaquait. Ça vit ici? Ah oui, en fait, s'il enferme, je vis. Et s'il fait ça, je sors. Ouais. Il y avait plusieurs directions encore, donc peut-être que je peux me permettre. Ou même j'ai peut-être des trucs avec ça. Ouais, il y a encore du choix en fait, ouais. J'étais un peu loin. Parce que si je... Il y a plein de trucs en fait, ouais. Ouais, j'ai pas... Un peu lent, du coup. Très lent même. Donc, il revient derrière le mur. Par contre, là, j'ai été... là, je pense que c'est l'erreur de trop pour lui. Il a encore des coupes ici. Il a ça qui est pas encore vivant. Il a ça. Ça fait beaucoup. Et il a voulu fight du coup. Ce qu'il y a, c'est que j'ai la connexion avec des Tsuji par ici. Ici, je sais pas si c'est le bon timing de faire R16. Je sais pas. Ah, c'est ça. Hop. Ça empêche la connexion parce que sinon, si je le fais pas, si on joue la. Hop. Si je joue la séquence directe, en fait, il a un truc. Ah bah non, oh, j'ai mal lu. Il n'y avait rien du tout. Donc, c'était pas bon. Parce qu'après, je laisse et du coup, il a un bon yossé pour la fin. Donc, c'est bête. Après, ça part un peu en bordel. Sauf qu'ici, je dois connecter Mush pour pas avoir trop de problèmes. Mais j'ai l'impression que niveau liberté, ça passe quand même, ça va. Bon, après, il se débat en fait, surtout. On connecte nos groupes et là, c'est fini en fait. Il est mort ici, il est mort là. Là, c'est fini quoi. Ouais, bon, on va passer à la suivante. J'ai même pas compté à la fin parce que j'étais en biomie assez rapidement, encore une fois. C'est ouais, ils me disent plus 100, ok. Ouais, on va passer à la suivante. Par contre, moi j'ai mis David Bowie avant. Là, c'est Belinda Carlisle. Pas trop ce que je voulais. Nickel. Alors, petite partie en plus. Ah, j'ai pas remis la cam ici, pardon. Hop là. Tac, tac, tac. Fast matching. Et c'est bon, on fait direct. Et je suis noir. Blanc. Bon, allez, Oshi. J'ai mis trop de temps. Aïe, aïe. Fast matching. Ok. On met les coordonnées. Bon, on prend ça. Il te manque quoi pour passer 4 ou 5 Dan? 6 victoires du coup, parce qu'il m'en manquait 7 au début. Et 5 défaites pour passer 2 Dan. Donc ouais, 6 victoires pour passer au niveau suivant. Et je comprends pas trop le truc d'augmenter de 2 niveaux.
Bon, je vous regarderai ça à la fin de partie, je te montrerai, mais parce que la dernière fois, il y avait marqué 7 victoires, bah, je donne un exemple, 7 victoires pour monter d'un niveau, et 10 pour monter de 2. Mais finalement, quand je suis monté d'un niveau, il y avait remarqué 14 victoires pour passer au niveau suivant. Donc je sais pas ce que c'est le truc pour plus 2. Pas trop compris la logique. Est-ce que je prends le deuxième et on fait ça? Ou est-ce que je fais la petite strat avec 3 coins par exemple? Ok, donc ça, ils font être encore plus. Ok. Parce que moi, j'avais. Bah oui, du coup, j'avais monté d'un niveau. Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment si je gagne 9 parties sur 10, on va dire. Enfin, 8 parties sur 10, c'est. Je passe de 3 à 5, quoi. C'est direct, en fait. Voilà, la logique, j'avais compris que c'était. Si t'en gagnes 7, tu passes bah, le niveau au-dessus. Et une fois que tu as atteint le niveau au-dessus, si tu gagnes les 3 suivants, tu augmentes encore de niveau. J'avais compris comme ça, mais du coup, oui, ça fait. Ça a du sens quand dit comme tu le dis. Ok, bon, certains dans le chat m'avaient sorti les 75% du truc joueur avant. Mais. Bref, son coup est très bizarre, donc j'ai 17. C'est rien que la forme. En fait, je saurais pas dire pourquoi c'est trop mauvais, mais la forme des pierres, ça donne pas du tout envie. On va jouer un peu Moyo pour contrer ça, par exemple. Ouais, bon, je pense que les autres aussi. Mais c'est l'idée, quoi. Il faudrait que je regarde aussi bien marqué quelque part. Ouais. J'ai pas été très attentif en regardant dans les trucs de classement. Je suis pas sûr que ça se joue encore beaucoup, ce Joseki-là. Mais ça peut pas être trop mal de gagner la force extérieure face à son bord. J'aurais pu penser aussi par rapport à la position de cette pierre, penser loin. Ouais, je crois que le nouveau jet ski, c'est il pousse encore une fois. Je viens là, il fait gueule de tigre et je connecte. C'est pas un truc genre. Du coup, comme il le fait pas. Si je viens ici, il fait. Bon, il fait ça. Hein. J'aurais gagné un cran. Ça fait quand même un très gros coin. Quand c'est pas bon? Je croyais que c'était Joseki maintenant. Faudrait que je regarde. J'ai regardé qu'une seule fois et ça fait plusieurs semaines, mais. Toi, tu fais ça en direct? C'est presque tentant de faire un petit E8 là. Et en même temps, il peut approcher très facilement ce bord-là. Même voir Toby. Hein. C'est la frontière des Moyos un peu. Après, il vient par là, j'imagine. Et si je fais ça, il peut aller par là ou venir dedans, ça dépend de son style. Bon, allez, on va faire ça, l'intuition. 21, j'ai déjà vu par les IA, mais c'est quand il y a une double approche. Et blanc pince par derrière. Ok. Bah, c'est pas ce que j'ai vu, ouais. Il faudra que je regarderai après cette partie-là. J'avais vu une vidéo d'une youtubeuse là qui. Bah, je crois qu'elle est connue, mais moi j'ai aucune idée de. J'ai oublié le nom. Et qui parle du nouveau Joseki. Et justement, ça se joue le 21, je crois. Ou alors, ça s'est mélangé dans ma tête. C'est pas possible non plus. On va jouer solide. Non, de 3 à 5 Dan, il faut 80. Ah oui, d'accord. Ok, c'est sévère, mais en même temps, c'est logique en soi, parce que. Ouais, c'est logique. Je pense que ce serait une erreur de faire P3, même si j'ai envie de prendre le coin. Ça semble gros. Par contre, écraser comme ça et dire, oh, ça va, tu fais sur la troisième ligne, c'est pas grave. Ça doit aller. Avec des coups comme I4 derrière, par exemple, à un moment. Il menace à la fois de couper et à la fois de venir là.
Et de moi-même construire quelque chose. D'ailleurs, je me demande si c'est pas intéressant tout de suite, le i4. Si je viens là et qu'il se sépare. En coupe, quoi. Et s'il connecte, on vient là, et même s'il vient ici, on peut faire le double année, je pense. Ça construit quand même un truc très intéressant, plus que lui. On va faire ça, ça me tente bien. Merci pour la précision, en tout cas, Adapala. J'ai toujours pas regardé le replay du coup de ton. Ah, comment ça s'appelle le go qu'il y avait eu la dernière fois qui était. Ah! La partie commentée là qu'il y a eu sur le Twitch de la FFG. Malkovich, le go Malkovich. C'était bien votre truc ou pas? Ouais, c'est ça. Faudrait que je regarde le review, ça doit être sur de YouTube, un truc là. C'est sympa, mais moi j'ai pas beaucoup parlé, j'étais fracassé. Ok, d'accord. Je pense que je monte, hein, Nick and Toby. Mais... Ouais, c'est ça. Bah, mes oeufs, c'est Abdapala, je crois. Si je me trompe pas, en tout cas, oui. J'ai droit d'aller là, non? J'ai carrément droit d'aller là. Que je devais couper d'abord. Parce que là, s'il fait ça. Non, tu te trompes pas, je suis encore plus frais que ça, je viens de rentrer du tournoi de Paris. Ah oui, donc toi t'enchaînes quand même. Non, t'inquiète, c'est pas mes parties qui vont te prendre la tête, c'est sûr. Ça a été au tournoi de Paris? Non plus, je n'ai pas suivi. Hein. Franchement, c'est. Je sais que Supernova a tout suivi là. Mais ouais, j'étais en famille. Ouais, j'ai bougé à Brest là, donc. Il faudrait. Bah, ça fera du contenu à regarder dans la semaine. C'est bien. Je sais qu'ils ont commenté pas mal de parties. Ce week-end. Je sais pas si t'as eu une partie commentée, toi. Il y a beaucoup de monde. Au moins 200 inscrits, j'ai fait 5 tours une défaite. Ah oui, plutôt correct. Tu vas monter d'un niveau, tu penses? J'étais juste déçu de ne pas voir une retransmission de Cassie. Cassie 0. C'est qui Cassie 0? Je vais mettre. Pourquoi? Mais là, il y a trop de chiffres à côté. Je vais mettre ça. Lucas. Oh, je connais pas encore assez bien. Mais justement, j'essaye de commencer à m'intéresser aux joueurs, tout ça. C'est vrai que moi je joue au go, je fais des parties et je regarde rien, c'est pas très correct. Enfin, c'est pas correct. Je fais ce que je veux en soi, mais ça peut être sympa de regarder quand même quelques trucs. C'est maintenant que je dois aller là, j'imagine. Ah, c'est pas fou ce que je fais. Non, c'est mauvais ce que je fais en fait. Ouais, c'est mauvais. Attends. Non, ça va. S'il coupe ici, je viens là, il vient là, je fais le année. Et après la petite séquence, en fait, j'aurai la terre ici pour un chichot. Ouais, là j'ai le droit de faire ça. Hein. Il n'y avait que les premières tables de retransmise normale. Ouais, le cap. Ok. J'ai vu. Pour ces parties-là, j'ai vu qu'il y avait sur le Twitch de la FFG.
Du coup, il doit y avoir ta partie aussi de Gomaltovich. Je vais regarder, ça va prendre du temps de tout regarder, mais. J'ai envie de progresser un peu, donc regardez vos parties, ça c'est quand même vachement au-dessus de mon niveau, donc ça va déjà m'aider. Non, je sais pas ce que je fais. Enfin, ça prend le coin, mais ça marche pas sinon. S'il protège ici, je vais là, protège, je coupe. Et après, il prend les pierres, mais moi j'ai le coin. Est-ce que ça valait le coup parce que j'ai abîmé mon potentiel ici? Donc non. C'était la merde, oui. Oh, du coup, maintenant ça marche. C'est parce qu'il a fait de bêtises, quoi. Mais bon, comme moi, on va dire. Bon. Attends, mais ça marche le chichot, non? Je suis full bourré là. Oh là là. Bon ben, ça va être compliqué cette partie. Oh merde, c'est plein de jeu. Ah non, mais là c'est ouais, c'est scandaleux là ce que je fais. Bon, comme je disais, ça va pas me faire de mal de regarder vos parties parce que je suis peu dessous. Ce sera pas pour tout de suite le 4 d'Anna Fox, hein, Supernova. Il reste combien de périodes? Deux. Ouais, mais pas pour tout de suite, quoi, je veux dire. Tant que je fais des conneries comme ça va pas. C'est pas possible, ça. Ouais. Déjà, j'ai envie de rajouter un coup ici, mais en même temps, il faut que je rentre. C'est vraiment la dernière tentative et. En même temps. Il faut avoir des chichots des deux côtés. De ce côté, j'ai. De ce côté, j'ai pas avec ça. Même pas pris le temps de lire, en fait. Ah oui, d'accord, il avait. Compliqué. T'as complètement quitté. J'ai mis Toto, c'est parti sur du Two Steps from Hell. N'importe quoi, YouTube.
Ok. Alors, qu'est-ce que je... On vient là. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ah, viens là. Ouais, il faut... Je vais regarder le nouveau, là, on va aller voir le nouveau. Mais ouais, Your Name, j'adore. Même la musique, hein, et tout, on fait tout. J'ai vu que c'était pas mal connu quand même là. Il y a pas mal de gens qui regardent ça là. Elle est pas encore perdue cette partie. Je suis en retard, mais elle est pas perdue. J'ai regardé 6 fois. Ah oui, d'accord. Par contre, peut-être pas dans le film. Ouais, moi j'ai validé aussi, du coup, je crois que ça a été mis de... Ouais, ça a été mis dessus, moi aussi. Je veux dire à mon frangin de faire. Et Romain, est-ce que t'as des nouvelles de Romain? Il fait pas? Non, je suis... À la base, je suis de Brest, et là j'ai déménagé à Rennes, mais je suis resté inscrit au club de Brest. Un peu en mode chauvin, mais... Je suis à Rennes, là. Salut, Newa! J'aurais bien voulu, mais j'ai le mariage de mon cousin. Donc, non. J'aurais bien voulu, ouais, c'est clair. Comment te portes-tu? Bon, ça va, un peu fatigué du week-end, puisque je suis rentré justement à Brest pour voir ma famille, moi. Et on va dire que j'ai pas fait que voir ma famille, on va dire, il y a eu des... Des petites soirées tranquilles normalement, c'est le truc, ouais, je rentre à 22, mais en fait non, le premier tu rentres à 6h du mat, et le deuxième tu rentres à 4h du mat. Donc un peu fatigué, plus après il faut voir la famille. J'aurais dû, ouais, j'aurais peut-être dû prendre mon extension. Mais sinon ça va, c'est la bonne fatigue on va dire. Ah, ça pue dessus. Et toi comment ça va, Nuo? Pas de nouvelles, il y avait que la bière, mais annulée vu que personne. Ouais, j'ai vu, bah après, normal, hein, c'était. C'était Pâques. Même si les gens, ils vont pas pour les raisons religieuses, ça fait toujours famille quand même. On va dire. Ouais, une prochaine fois, une prochaine fois. Bah là, moi, je serai pour. Bah oui, mais du coup, si toi, t'es de Lyon, du coup, j'imagine que t'es pas au deuxième tour du championnat de France à Rennes. Je sais pas encore. C'est un peu cher, je crois. Pour moi, en tout cas. Qu'est-ce qui peut me faire de chiant ici? Beaucoup de choses. Je suis pas à l'aise, hein. Tire à toi. Oh, c'est dégueulasse ce que j'ai. C'est dégueulasse. Que je peux faire ça, c'est pas beau, mais bon. Je suis au sub de. Ah oui, d'accord, donc oui, c'est plus facile. En tout cas, oui, j'ai vu que pour remonter à ce que tu disais plus haut, que Monique venait. J'imagine que non, tu me l'aurais dit, mais il y a d'autres personnes qui comptaient passer. Du coup, Romain, t'as pas de nouvelles. Bon, ces pierres-là, on va devoir les lâcher.
Ça m'intéresse bien plus d'attaquer ça, par exemple. Ouais, ça roule. Du coup, pas besoin de t'héberger, si du coup. Ok. Solide, j'imagine, ça marche pas très bien. Tac, Atari ici, Atari là. Pas très bien du tout. On va juste en profiter pour être un peu plus solide sur l'extérieur. Mais c'est pas beau, hein. Je me serais bien passé d'un groupe instable à ce moment-là. Mais comme tournoi là pour l'instant, il y a le deuxième tour. Deuxième tour du championnat de France. J'aurais voulu faire Rennes, mais je peux pas. Il y a quoi d'autre? Il y a Brest. Tournoi de Brest le 3 juin, les gens. S'il y a du monde qui est tenté. S'il pousse là, je vais là. Il pousse là, je vais. C'est chiant. Et sinon, il y a quoi comme tournoi que je pourrais faire? Je sais pas trop. Hein. Bon. Il aurait pas dû prendre ses pierres, c'est. Enfin, c'est gros, hein, mais. Je pense qu'il y a mieux à faire tout de suite. Là. On va faire le pipe déjà ici. Y a rien ici, hein, j'imagine. Tac, tac, tac. Non. On va juste se casser. Hein. Oh, c'est ma dernière période. Ouais, je vais faire gaffe quand même. Je parle. Ok. Oui, bah c'est gros. Ah non, justement, je dis que là, je fais là. C'est pas fou ce coup 96, il est dégueulasse. Parce que même si je prends ça, si je meurs dans tout le coin. Bon. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Je retire tout mon edgy, j'ai retiré. C'est vraiment de la merde. Ah oui, non, mais j'ai perdu là, hein, je pense ça. Tac, 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 il me capture. Voilà, tac, 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 il fait là, tac, il m'a atari. Et c'est fini. C'est vraiment pas bon. Ouais, ouais je vais l'abandonner. Je vais l'abandonner. Je peux rien faire là. En plus, si je retire moi-même mon Adji. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose, mais. Aïe aïe aïe. Ouais. Ici, je dois peut-être aller là direct. Mais c'est pas très beau en fait. Du coup, ce coup, il était mauvais là. Hop, je vais remettre les coordonnées. Non, pas ça. Il était mauvais le coup en I4 là? Ou peut-être que c'est le coup suivant qui est pas bon de descendre. Généralement, on réserve pour G2. D'accord, ok. Ouais, moi je pensais à. S'il faisait ça, je fais ça, mais oui, il a aucune raison de faire ça, en fait, de s'écraser.
C'est un peu, je rêve des fois, je réfléchis et je me dis dans le monde idéal et je me dis allez, j'y vais, alors que bah non, l'adversaire il va pas. Peut-être que je dois écraser comme ça si je veux écraser un peu ça, mais. En même temps, j'aimais pas qu'il saute en G6 par exemple par rapport à mon début de moyeu. Et peut-être que. Peut-être qu'un coup par là, en fait, c'est pas si mal déjà. Hein. Ça fait quand même un sacré potentiel, quoi. Peut-être écraser un tout petit peu. D'abord. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Et oui, là, je me laisse avoir dans des. C'est pas bon pour moi. Là, j'ai l'impression qu'ici, en fait, même. Faire ça, non? Il a tout. Il a fait quoi? Il a fait ça. J'ai pas de guetta par contre. C'était quand le guetta du coup? Là? Et si je fais ça, ça menace le. Ouais, ok, d'accord. Ça menace le chichou ici. Et s'il fait ça, il y a ça. S'il se casse, il y a ça. Donc il est obligé de sortir, tac. Et s'il sort. Je fais n'importe quoi là. Je fais n'importe quoi, ça doit pas être ça. J'y vais, bonne soirée. Ok, bonne nuit à toi du coup, bon repos. Il fallait jouer N2 pour blanc. N2. Ok, d'accord. Ouais, je vais regarder ça. Là. Et même si on m'atterrit, ça menace des trucs, quoi. Ok. Non? Ok. Hop. Ici, du coup. Et si on fait ça? Ah non, on peut faire ça, du coup. Et là, même s'il fait des trucs, il doit revenir. Et là, on a ça, et on a ça. Ok, d'accord. Ok. Ah, j'ai pas la lecture pour ça. Ça roule, ça roule. Bonne soirée, merci pour le commentaire. Et à la prochaine. Ensuite, bon, ensuite ça a été juste essayer de rattraper débilement en fait, donc il n'y a pas grand chose à regarder, c'était juste moche. Bref, hop. Alors, j'éteins ça. Oula, ça relance, hop. Ça relance la même musique. Qu'est-ce qu'on peut mettre?
mètres, on va mettre. Voilà. Alors, petite partie. Nickel. Hop là. Et on est blanc. Bon, ça va, j'ai mis 6 secondes, comme lui. Il y a l'abus. J'ai mis autant de temps que lui à jouer. Bref, on va regarder ça d'ailleurs. Tiens, je vais en profiter. Du coup, ouais, il manque 6 victoires pour monter. Et il n'y a pas de truc. Du coup, voilà, comme j'ai perdu trop une sur deux ou des trucs genre dernièrement. Enfin, sur les 3 derniers, il y a deux défaites. Du coup, ouais, c'est pas moyen d'augmenter de deux niveaux. Mais oui, 6 victoires pour augmenter d'un. Bon, c'est jeudi. On fera pas ça aujourd'hui, mais jeudi peut-être. Bref, on relance une. Alors, tac. Juste venir ici. Ok. On va venir dans le Sensan. On vient là, on vient se séparer. Ah, je me suis fait avoir avec ça la dernière fois. Oui, ils prennent les deux côtés. Et la dernière fois, je me suis complètement fait avoir. Ils ont eu tous les deux bords. J'ai oublié. Enfin, la dernière fois, il y a deux semaines, 3 semaines. Je me suis complètement fait avoir. Du coup, c'est une strat vraiment qu'ils aiment bien faire ici, quoi. Sauf que là, mon groupe est instable, il faut que je renforce. Je sais pas. Je vais me faire avoir. on va passer. Faut que je sois un peu plus actif que la dernière fois. La dernière fois, j'ai juste séparé, et du coup, c'est pas passé. Faut que j'attaque un truc. C'est pas très beau ce que je fais quand même. On a le droit de faire ça, non? Et ensuite. C'est pas fou hein, ce que je fais. Je vais encore me faire avoir une fois. Hein. Il y a forcément un truc parce que c'est abusif ou non, tu peux pas avoir les deux côtés comme ça. Tac, tac. Si on fait ça, on va répondre là. Ouais, mais ça empêche toute coupe ici. Si on joue ça d'abord, il monte, je viens là. Fatari là. Je viens là.
ça il peut pas pousser. Ça ferait des Atari. Ça a l'air de passer ça. Réfléchis aux formes. Tu aurais joué L17. Ok. Ah mais j'ai du mal hein. La dernière fois, bah, je crois que c'était là en plus quand on m'avait fait cette séquence où il prenait les deux côtés. C'était horrible pour Blanc. Et c'est exactement la même chose qui m'a joué là, donc c'est vraiment un truc qu'ils aiment bien faire, c'est une séquence connue quoi de début de partie. Mais du coup c'est censé ne pas marcher, c'est seulement si une arnaque en fait quoi. Capturer ou prendre. Voilà, je suis magique. Bah, ça fait un angle vide par contre. Ouais, je me suis fait avoir encore une fois, hein. Là je y a pas de souci pour dire ça. Hein. Et la dernière fois aussi, hein, c'est. Faut vraiment que je regarde, hein, parce que c'est une grosse arnaque. C'est sur ce truc là au début là, où je pousse dedans et il s'auto qui m'a déchiré. Et normalement c'est mauvais de. Normalement tu connectes et je passe au-dessous. Mais du coup, comme il veut garder ce bord, je comprends la montée. La descente en 11. Mais il y a un abus quoi. D'ailleurs, on va faire ça. Il y a un abus. S'il monte. Alors, je suis obligé de capturer. Tu fais double année, mais tu enchaînes rien derrière. Ouais, non, mais je sais pas. En même temps, si j'enchaîne là. Il avait la connexion, il sacrifie cette pierre et le coin était peut-être foutu à ce moment-là, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Clairement pas à l'aise là. Sur ce qu'on me fait là. Mais bon, faut que je regarde, hein, c'est quoi, il faut apprendre, faut apprendre. Pour regarder. Je vais mettre juste le dernier coup. Allez là. Ok. À venir à l'intérieur. Il y a sûrement des choses à exploiter avec tous les coups. Ok, d'accord, bon. Il veut pas. Descends. Ils veulent vraiment tout en fait. Et j'arrive pas à punir, mais ils veulent tout. Et en même temps, si je punis pas, ça passe, hein. On va faire un. Bah non, je suis en train de. Bon. Je suis un peu fatigué de mon week-end, je pense. On va pousser là. Je fais de la merde. Ouais, on va aller là. C'est le bordel. Très beau qui m'a déchiré. Ah, c'est ignoble.
C'est ignoble. Oh, c'est dégueulasse comme partie. T'as chaud? Ah, je pense que ce sera la dernière. Là, je galère. Je joue pas bien du tout. Il n'y a plus rien ici en plus. Là, j'ai l'impression. Le nord, je suis en train de donner énormément. J'ai plein de coupes. Aïe aïe aïe. J'ai pas de points en fait, j'ai ça. C'est ça. Bon, quand même, je regarde à la fin comment est-ce que je peux mieux faire ces séquences. Parce que ça va revenir, hein, c'est certain. On va juste descendre. Ouais, il faut protéger un minimum ça quand même. On va connecter en solide. Il va sûrement venir par là. En même temps, ça a bien détruit son border. Ok, il vient pas. Bon. On vient voir ce qui se passe. Il te rajoute un coup ou pas? Si je descends. Ah non. Pas comme ça. Il devait rajouter un coup, non? J'ai l'impression. Joue ici. Il est mort? Ah, il est mort. C'est qui? Tu vois des easter eggs. Tac.
Alors. Ouais, j'ai vraiment cru que ça pouvait mourir. Bon, je vais lui donner une belle forme, mais j'ai l'impression que. Pas trop le choix. Déjà, je prends le coin alors qu'il est installé de côté, on va dire, c'est bien. On va clairement couper. On pourra peut-être construire un tout petit truc sur le centre. Donc il faut couper pour trouver une cible et c'est bizarre de vouloir faire ça, par contre. Comme ça. Peut-être construire quelque chose sur le centre. Oui, bon, il vaut mieux descendre, ouais. On va couper ça. Interroger aussi le statut de ce truc. Intéressant. Hop. Alors, on continue. Peut-être faire attention à la coupe ici. S'il coupe là et que je viens là, c'est bon. Donc je peux venir agresser ici. Soit la connexion, soit le nobi plutôt. On va essayer de connecter toutes nos pierres. Ouais, c'est pas tuable ça. Ok. Non, c'est pas très intelligent ça. Aller à l'intérieur. Il vient là, on connecte, il protège. Et nous, on connecte les deux à la fois. Que la coupe marche direct. Je pousse, il vient là, je connecte. S'il connecte, je coupe. On va venir comme ça. Ça va être dur de construire quelque chose en fait ici. Parce que là, il peut venir là. Ouais. Je lui donne beaucoup aussi, donc pas très intelligent ça.
Je suis bloqué. Non, c'est stupide, il y a la coupe. Aïe aïe aïe, c'est pas très malin ce que je fais. Aïe aïe. Si je fais ça, il fait la coupe, tac, il vient là, tac. Par contre, ça menace un peu tout ça, parce que j'ai la coupe ici. Ça se joue, non? Ça se joue, ça se joue. Ouais, mais c'est goûté. Et ça fait réussir ça. Ouais, bon, je fais de la merde. Oh, je fais de la merde. Non, ça réussit tout et tout. Je crois que c'est quand même foutu, hein, parce que. Ouais, là, s'il avait joué en L7. Maintenant je fais ça. Oh, c'est foutu, je peux pas connecter les deux. Bon bah merci pour la partie. Bon allez, ouais, je suis vraiment pas, je joue très mal là. C'est désolé, désolé pour la qualité. Aïe aïe aïe, compliqué hein. Ah, c'est plutôt avec ça que je verrai. Ah, c'est fou, hein. Là, je fais de la merde. Hein. Du coup, ouais, c'est pas la première fois que je me fais avoir sur ça. Où on me fait ça. Parce que moi, je m'attends à la séquence où c'est. Non. Truc du genre comme ça, là. Je m'attends à cette séquence. C'est ça que j'avais appris. Du coup, là. Là, je sais pas quoi faire après. Pas l'impression que c'est mauvais ça, mais en même temps il construit rapidement. Comment est-ce que ça j'attaque tout ça? La dernière fois je crois que j'ai fait un truc comme ça ou. Où... Une connerie, voilà. Et du coup je gagne rien et lui il construit les deux bords. Je crois que j'avais fait vraiment le labeur réussi. Mais cela dit, là, bon, c'est pas beaucoup mieux. Du coup, ici, il faut tourner là, au bout d'un moment. Qu'il ait une forme de merde. Peut-être un truc comme ça, mais... Et je sors, quoi. Mais après, je devrais m'occuper de ça un moment aussi. En fait, j'ai deux groupes faibles et lui, un, quoi. Du coup, j'ai quand même l'impression de me faire avoir. Bon, cela dit, à la base, en même temps, il a plus de pierres aussi, mais. Faudrait jouer R18 avec blanc. Ok. La séquence que j'ai montrée tout à l'heure, du coup. Ici, là, maintenant. S'il vient là, je vais là. Et on est vivant. Ah bah non, on n'est pas vivant, c'est un faux œil là, en fait. Donc je suis obligé de sortir, je peux pas le jouer tout de suite. Pas jouer tout de suite parce que si
J'ai qu'un œil localement. Du coup, c'est au début en fait. Ici, là, quand il fait ça, je fais quoi ici en fait? C'est. Ou alors je sors plus proprement. Mais ça a pas l'air fou non plus en fait. Je vois pas comment. Au 15, bah c'est ce que j'ai fait au 15. Au 15, c'est ce que j'ai fait et construit facilement. Ouais, bah c'est ce que j'ai fait. Ici, j'étends. Je suis pas mort là? Angle plein plus extension. Je suis mort? Non? Si, je suis mort. Je coupe. Ah, tout à l'heure, ok. Donc je coupe, puis je déchire en N15. S'il fait ça, je prends. Ok, oh la vache, ouais. Oh, j'ai pas ta lecture, hein. Oh, pire truc. Ouais, du coup, bah, je le vois une fois que tu dis, ouais, mais oh, j'ai pas ta lecture, hein. Franchement, ouais, c'est. Bien joué, bien joué. Ça, je serais incapable en partie, quoi. C'est. Il me manque ça, quoi. C'est. J'ai pas du tout assez de théorie dans ces trucs-là. Là, je me débattrais, et je mourrais, quoi. Ouais. Bon, je vais m'arrêter là, je pense. Je vais m'arrêter là, je suis claqué. Ça se voit dans le jeu, je pense. Hop. Je vais m'arrêter là. J'ai reçu un message, c'est quoi? Ouais. Merci pour les commentaires, en tout cas, Supernova. N'hésitez pas à lâcher un petit follow si. Si vous voulez retrouver jeudi prochain, du coup, je fais à 16h normalement. 16-19, un truc genre. Là, je fais un peu plus court aujourd'hui, parce que bah, je viens juste de rentrer tout à l'heure, donc je suis un peu claqué là. Donc ouais, je vous dis à jeudi. Bonne fin de soirée. Et bonne semaine. Allez, salut à tous.